Voilà, hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Un studio français d'ailleurs, c'est important de le souligner. Requiem, c'est le deuxième épisode de la saga. Dans Innocence, le tout premier, on faisait la connaissance de Amicia et Hugo, un frère et une sœur, qui sont plongés dans un Paris envahi par les rats et donc par la peste. D'où le titre. Au fil de l'aventure, on a appris à comment gérer non seulement ce lien fragile d'une fratrie, mais on a aussi appris à maîtriser le pouvoir de Hugo, donc à contrôler des rats. On a aussi fait face à des ennemis voulant mettre la main sur le pouvoir de Hugo, mais aussi à nous entourer d'amis pour nous aider dans notre quête. Dans ce deuxième épisode, on va voir où tout cela va nous mener. J'ai cru comprendre en tout cas que nous n'étions plus à Paris, mais comme le suggère ce petit bateau, je pense que, effectivement, nous serons bel et bien sur une île. Par rapport au jeu, il est composé de 35 succès. Alors, il y a les succès qui sont liés à l'histoire, à chaque fin de chapitre donc. Et puis, comme dans le premier épisode, il y a les collectibles, qui sont, je pense, un peu plus variés. Mais il y a aussi du craft. Dans le premier, on devait crafter à fond notre fronde, notamment, et puis notre petite besace pour pouvoir ramasser un maximum de collectibles. Là, il va falloir que nous complétions les compétences complètes d'une fronde, l'arbalète, l'équipement, les outils. Il va falloir aussi maîtriser l'alchimie. Et puis, il y a aussi plusieurs succès en fait. Plusieurs succès bien spécifiques. Et puis d'autres aussi en lien avec des compétences. Donc apparemment, ça va être un jeu un petit peu plus complet. En tout cas, je me réjouis de faire ça avec vous. J'espère en tout cas que vous êtes confortablement installés sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC. Peu importe. Allez, c'est parti. Alors moi, comme je suis très très aveugle, on va augmenter la luminosité. La petite subtilité qu'il y a dans ce deuxième épisode de Requiem, je vais vous la montrer, c'est dans les options. Alors, on va choisir le niveau de difficulté, donc on a le choix entre narratif, donc voilà, on va vraiment explorer et favoriser aussi le récit. Le normal, entre aventure et challenge, et puis le difficile, survie intense. Bon, ça, on va pas s'y atteler à celui-là. On va rester en normal. La petite nouveauté, c'est, si je le trouve, ah, voilà. Dans le gameplay, vous avez le mode invincible. Le mode invincible, c'est vraiment le fait que si on se retrouve face à un ennemi humain, en fait on meurt pas. Par contre, le reste, donc les rats et le feu, peuvent nous infliger des dégâts. Donc vous pouvez l'activer pour une expérience un peu plus facile. Ou le désactiver. Nous, on va rester avec une immersion totale. Eh ben, je pense qu'on est prêt. C'est parti. En tout cas, la bande-son, déjà rien que les premières minutes, elle est magnifique.
Saleté de rance. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Ralentis, tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ça lui arrive d'être fatiguée. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort, le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier. Le combat est loin d'être terminé. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Alors, oula, bizarre. Donc là, on n'avance pas avec le joystick habituel, à savoir celui de gauche, mais avec celui de droite. Oula là. Je suis pas habituée à ça. Hein. Amicia ! Regarde ça. Un château. Allons voir. Yeah ! Bon, très bien. Allez, on court. Attendez. Juste mettre pause parce que en fait ça me perturbe là. Ah non, on va pas inverser les sticks analogiques. Jamais. Ah, on va réessayer. Ah bah c'est beaucoup mieux. Et RT pour sprinter, donc bah, on y va. Tu vas suer comme un bœuf. C'est moi qui suis comme un bœuf. C'est bon pour toi. J'adore ton nouveau chez-toi. C'est un château. D'accord. Lucas le perfide attaque mon château. Oui, et je vais te transformer en scarabée. Amicia, il est trop fort. Il faut qu'on se cache. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et... Amicia l'Amazone. Évidemment. Alors maintenant, filez! Viens, Amicia, l'Amazone! On doit trouver une bonne cachette! Je serai à vos côtés, Majesté! 5, 6, alors attendez! 7, n'oubliez 8, pas de respirer, mon roi! Bien, gardons-le à l'œil maintenant! Oui, on bougera! Il arrive! Je sens votre peur! Moi, Lucas, perfide parmi les perfides! Je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Il est horrible. Vous êtes buté. Je vous trouverai de toute façon. Le perfide a posé ses yeux. Ah bah mince. T'es trop méchant. Allons, gardez courage. Trop facile. Bon, je vous donne une seconde chance. Il faut qu'on se déplace pour rester hors de vue, mon roi. On va se cacher. 1, 2, 3, on va rester caché au même endroit, mais en étant un peu plus 5, subtil, 6, on va dire. Vous serez bientôt déchu. Vous êtes ici? Où pourriez-vous bien être? Ma patience a déjà été mise à rude épreuve. Je vous trouverai.
Je dois repartir étudier maintenant. Lucas... Écoute, si je veux devenir alchimiste... Mais tu es déjà un alchimiste. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien, à plus tard. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Alors, nous allons voir la suite du château. Ah, on va passer par là. Je peux monter sur ces rochers? Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui, bien sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume! Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière! C'est la mer! Patrouillons par là. Waouh! C'est très joli. Alors? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière? Oui. Pourquoi pas? Attention, Amicia, l'Amazone! Navire ennemi en vue! Ils vont nous attaquer! Oh non! Qu'allons-nous faire? Reste à la frontière et coule-les avant qu'ils passent! D'accord! Ma puissante fronde est vôtre! L'armée du sorcier est en route! Je les vois! Nous sauverons votre royaume, Majesté! Un de moins! Oui, continue! Voilà d'autres bateaux! La magie noire ne souillera pas ce royaume! Que de la bonne magie! Oui, le roi applaudit! Qu'ils viennent! Je les écraserai! L'envahisseur était en nombre! Mais nous l'avons repoussé! Parce que nous sommes la maison de Rune! Bonjour! Oh. Bonjour! Bonjour! Je passais par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander... Je peux jouer avec vous? Oui, mais... Qui es-tu? Je m'appelle Tona. J'habite dans le coin. D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette! Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi, je tirerai avec le canon. Alors, engageons le combat. Wow! C'est vraiment très forte! Bien joué! Ils ne passeront pas, vous verrez! T'es forte! Mais ils arrivent pas! Et je continuerai à les couler! Nos défenses sont trop solides pour eux! Soldat Tona, continuez à couler avec le canon! Ouais! On frappe les fesses! Leur vilaine fesse! Du calme, Majesté! Vous commencez à parler comme un petit démon! C'est la guerre! Très bien, donne-leur le coup de grâce, Tona. Attention, boulet de canon. Oh non, Hugo, à couvert. D'accord, c'est bon les garçons, vous avez gagné, ils se rendent. Reddition acceptée. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, Tona. Il était gentil. Allez, en route, Majesté. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Je suis pas sûre, parce que du coup, j'ai pas obtenu mon succès en lien avec les pommes de pin. C'est vrai. Je suis trop nulle en pommes de pin, apparemment, parce qu'il fallait descendre toutes les pommes de pin. Et j'en ai loupé 3. Voilà. Donc je vais être obligée de recommencer. Ça doit être celui-là. Ouais. Donc on va suivre le cours de la rivière. Ah, ça me frustre, hein. Oh, tant pis. J'en ferai après. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûre? Dès qu'on saura comment tu vas.
Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est différent. Je le sais. J'espère. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi? Je plaisante. Je vais t'aider. Et puis d'abord, t'es trop lourd. Hop. Comment oses-tu? Un jour, je pourrai le faire. Hop. Waouh! Ce château est immense! Qu'en dites-vous? On l'attaque? D'accord. Je suis prêt. Maintenant, chargez! Attaquer le château, je veux bien. Je vois pas comment je vais pouvoir l'attaquer avec ma petite fronde toute pourrie, mais... La porte est fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi voir. Ah! C'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal. Ouais, je suis pas sûre. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas inquiet. Donc, on peut pas aller par là. Les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai. Oula. Tu t'es fait mal? Ça m'a fait peur. Mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Alors, tu sens ça? Des petites choses. On dirait une cheminée. Oui. Donc je regarde, mais il n'y a rien qui est susceptible d'être collecté. On va essayer de sortir. Quoi? Bon, ça, c'était pas trop compliqué. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais... pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Pas un bruit, on s'en va. Là, il n'y a rien à collecter. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? Parce que si on descend par là... Par là. Amicia. Hey. Que se passe-t-il? Vous êtes combien? Attendez, on ne voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge! Je vous le jure. Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge! Vous êtes des voleurs! Je vais vous couper en morceaux. Ah, ça y est, on recommence à courir. On doit sortir d'ici. La porte. Oh, non, non, viens. Vous êtes coincés. Vous irez nulle part. Oh, non. Bon, bah, je me suis fait zigzag. Bon. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge! Je vous le jure. Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge! Vous êtes des voleurs! Je vais vous couper en morceaux! Cours! Venez ici! On doit sortir d'ici! La porte! Là! Oh, il nous suit toujours! Bon, on va se mettre à courir, hein! Cherche un moyen de sortir! Laisse-moi sur les troncs! Vous voyez pas le poids, par ici! Il ne nous suivra pas! Vite!
Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Casse-toi, vite. Je reviendrai plus, je te jure. Attrape-le. Jake. Pitié, laissez-moi. Je vous en supplie. Non, non, pitié, non. Il aurait fallu y penser avant de nous voler avec ta banque. Chut. Bon sang, Mathias. C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là. J'en ai manqué deux, un garçon et une fille. Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, vite. Ils sont fous. Faudra déjà qu'on me regarde pas. Donc là, on me regarde pas. Quel gâchis. Tu vas faire quoi avec notre viande et notre miel maintenant, hein? T'es mort. Discretos. Mathias, viens. Ils ont salement amoché grand-père. Merde, non. Amicia, non. Ma maison. Oh, bien vu. Oh, c'est pas moi. Ils sont pas là. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. Ouais. Veille sur lui en attendant. Donc, là, il n'y a plus d'herbe. Donc, il va falloir que je rentre par la maison. Que je vois pas d'autres moyens, ou alors derrière le mur peut-être. Est-ce qu'on peut se faufiler derrière le mur? Bon, alors on va essayer de se faufiler par là. On essaye, hein. Ah ouais. Continuez. Et quel bon sang. Seigneur. Arrête de planter. Attention. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie je ça. Je cherche. Alors, est-ce qu'il faut... Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'ils viennent ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Pauvre cinglé. J'avais juste besoin de vous. Alors, donc là, on va pouvoir distraire les ennemis avec RB. Il faut que je sorte d'ici. Du calme. Encore quelqu'un qui se cache ? Hop. On retourne à la charrette et on s'en va très loin d'ici. Maman va être très en colère. On ne lui dira rien. Et on se remet à nouveau dans les hautes herbes. Il est où ce petit merdeux? Tu devais monter la garde. C'est ta faute tout ça. Il va falloir qu'on grimpe. En silence. Donna, ramène ton attends, grimpe, moi je veux bien, mais où? Je te démolis. Ah, là-bas. Est-ce qu'on peut le distraire autrement? Je crois pas, hein. Non. Alors, on va essayer de grimper. Voilà. On se remet dans les hautes herbes. La suite, c'est par là. Essayons par là. Au moins, ils ont pas touché à ce là. Get up!
qu'est-ce que c'est? On y va. Oh, c'est pas mal. Je crois pas qu'on avait ça dans le, premier. Oui, il faut qu'on fasse plus attention. D'accord. Il faut atteindre cette porte. Je dois détourner son attention. Où est ton nain? Je dois m'occuper de son cas avant que le père s'en charge. Oh, toujours. Il doit se planquer quelque part. Alors, comment je vais pouvoir détourner l'attention de machin truc derrière les caisses? Amicia, elle est beau. Ça pourrait marcher. Alors, RB. On va essayer de soigner les peaux. On peut sortir par là. Oui. Ouais, pitié. Non, ils l'ont fermé. Oh, purée. Il y a un passage. Là. Ça... Oui. Crain. Tu peux aller de l'autre côté, ouvrir la porte. Oh, j'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça. Alors, LB. D'accord. Alors, est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est par les cochons ? C'est par là. Donc ça m'a l'air d'être fermé. Donc ça doit pas être par là. Fermé. Ok. Erreur de notre père. Mais je vais arranger ça. Arrête, Hugo, reste derrière moi. Quoi? Vous êtes qui, vous? Oh non, non. On s'est perdu, on s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris? Mais le garçon, il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. Oula! Thank you.
Les graphismes sont super bien faits. Ça, il n'y a pas à dire. Amicia ? Me fais pas de mal. Où on est ? Une fleur dans le coin, parce que comme dans le premier épisode on devait collecter des fleurs et je ne vois pas de fleurs. Respire, respire. Où est-ce que tu vas? Je dois repartir. Je veux ma sœur et ma maman. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui, elles sont peut-être par ici. C'est beau, hein. Lucas, vous êtes où? Je me sens pas bien. Tombe à nouveau. C'est ça, mourir. Je veux pas mourir. Donc là, il faut continuer à avancer. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvée.
Merci. Est-ce que je peux revenir? Avec quelqu'un? Très joli petit intermède en tout cas. Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui, j'étais malade et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais Amicia... On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane, avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain. La macula n'est pas seulement dans le sang d'Hugo. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon, c'est eux! Viens là. Oh non, attendez! Oh, Amicia! Toi, attrape-les! Ne la laissez pas filer! Je sais que t'es quelque part par là. Montre-toi! Ah, mince! Non! Elle était juste là! Elle doit pas être loin! Ouvre l'œil! Vous devrez aller la chercher dans les champs! C'est ça! Partez loin! Attention! D'accord, ensuite! Ah. Elle pourrait être juste à côté de toi! Des intrus! Tout le monde aux aguets! Le chariot! Ils ont besoin de toi! Hugo a besoin de toi! Essayer de leur couper la tête. On appellera un prêtre si besoin. Je vais essayer de passer par là. Continue. Si tu meurs, il meurt. Donc là, on va viser les cailloux. Ça peut être que. Hop, on va descendre. Tu vas tout brûler! Nom d'un chien! T'as tué mon fils! Brûle-le! Non, non, non! Cours! Cours, 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 cours!
sauter, hop. Allez. Allez, meurs. Hop. Ah mince. Ah, je l'avais pas vu. Grimper par là. Oh non, c'est pas vrai. Je trangue tout le monde, je tranguerai tout le monde, hein. C'est pas un problème. Hein. Je pense pas que je puisse. Ah si, je peux aller par là. Oh.
Voilà. Hugo. Il respire. C'est le choc. C'est fini. Tout va bien. Tout va bien. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me rejoindre sur mon Twitch. On se retrouve pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.